On a la bonne passe. Rodriguez, bien joué. James Rodriguez, le ballon qui est au fond. Tony Kroos cherche la partie. Il s'est dégagé du coin. Le centre de Tony Kroos. Attention à la frappe. James Rodriguez, le ballon qui est au fond. La catastrophe. Ça fait du bien pour la confiance hein, de marquer des buts comme ça. Et surtout une perte en Qatar. Attention, ça peut être un joueur. Rodriguez. James Rodriguez, le ballon qui est au fond. Ça fait deux buts, superbe doublé pour lui. Toni Kroos. Et le but de James Rodriguez. Attention, ça peut être dangereux. Rodriguez. James Rodriguez, le ballon qui est au fond. Les 30 derniers mètres, on va trouver de balles, Rodriguez. Thank you.
voyant qu'il ne se précipite pas sur le but, ce qui prend leur temps. Ronaldo, il a rien fait, mais. Le gardien est battu sur cette action. On voit ça en ralenti. On voit bien toutes les qualités de ce joueur au centre. Lui, il va racheter. Attends. On a besoin de jeu rapide. Bon. Real Madrid, qui se la prend au début. C'est vrai qu'il en devrait. Regarde, t'as vu, c'est ce pied là. C'est un peu du bordel. Cristiano Ronaldo. Après. On s'approche du but. Ok. Merci. Et on revient vers. Yes. Pas de pitié pour le gardien et tout. Modric, on peut tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour passer une flèche. Gareth Bale. L'ambiance de merde dans ce stade. Et ce ballon qui traîne. Modric. Ramos Rodriguez. Le face à face avec Cristiano Ronaldo. Avec Cristiano Ronaldo. On voit sur le ralenti qu'il réalise exactement le geste qu'il voulait faire. Un ballon qui file en plein dans la lucarne droite. Beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Carvajal, le Real Madrid qui s'approche du but. Oh, c'est pas bien défendu ça. Non, attention à la frappe. Et le but signé Morata. Ça fait du bien pour la confiance de marquer des buts comme ça. Et surtout une belle reprise de volée pour l'adversaire pour placer une flèche. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Attention le centre. James Rodriguez. Ah oui, il y est. Il prend de l'avance, hein. Il va bientôt prendre le large. Et ça commence à devenir un petit peu inquiétant quand même pour ce gardien. Moi, je crois qu'il est touché sur le plan psychologique, c'est assez clair.